La moelle osseuse. Chaque jour, elle produit 400 milliards de plaquettes sanguines. Des plaquettes sanguines, pourquoi faire? Et nous alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Alors les jeunes, encore un peu étourdis, vous arrivez, on dirait. Et comment le savez-vous? Il n'y a qu'à voir votre taille, vous êtes plus grand que nous. En vieillissant, vous allez rapetisser. Puisque vous savez tout, dites-nous qui nous sommes et ce qu'on fait ici. Ben, vous êtes des plaquettes comme nous. Et ceci, ce sont les ravitailleurs en énergie et en combustible. Ça, c'est le service du nettoiement. Et voici notre police. Et nous alors? Nous, nous sommes les ingénieurs, nous sommes le génie. Nous veillons à ce que tout ça circule au mieux. C'est une fonction de la plus haute importance. Bon, on n'a rien d'autre à faire que de suivre le mouvement et d'attendre. Je ne suis pas d'accord. Il ne se passe jamais rien d'intéressant. Nous avons 10 jours de vie et voilà 7 jours qu'on ne fait rien. Et pourtant la jeune dame de la police nous avait dit que nous étions utiles. Et moi je ne désespère pas, j'ai confiance. Bien, justement, la voilà. À la bonne heure, voilà les plaquettes. Et avec des nouveaux, je vois. Bienvenue parmi nous. Et je compte sur les anciens pour vous instruire. Et maintenant, circulez. Soyez gentils. Allez, à bientôt, mes amis. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, quelle horreur! Tapisser la paroi, voilà une de nos fonctions. Mais pourquoi cette paroi est-elle abîmée comme ça? C'est bien simple. Il peut y avoir des tas de raisons. Contact avec de mauvaises graisses, des acides ou bien trop d'adrénaline à la suite d'une émotion. Va savoir. Elles vont rester là tout le temps? Eh oui, c'est leur rôle. Ce petit diable sorti de sa boîte. Un diable, en effet. Un virus, mais nos anticorps veillent. Ne vous en faites pas. Hey, regardez. Hey. Au papier. Carte d'identité, achetez-la. Voilà. Ton ordre, vous pouvez y aller. Curieux tout ça. Leurs papiers sont parfaitement en règle et pour... Ouais, moi non plus, ils me plaisent pas ceux-là. Faudrait les surveiller. On les a bien nus, vous ne trouvez pas? Et hop. Ça alors, qu'est-ce qu'on est bien protégés? Ils sont gentils, nos anticorps, hein?
Gentil? Oh, pas toujours. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, dans une autre vie, je me trouvais comme aujourd'hui avec un groupe de joyeux compagnons. Nous ne pouvions pas imaginer ce qui nous attendait. Eh oui, voilà que nos défenseurs, nos propres anticorps, s'avisaient de nous attaquer. Enfin, pourquoi ils ont fait ça? Je croyais qu'ils n'attaquaient jamais les amis, le soi. Normalement, oui, c'est vrai. Mais ici, il devait s'agir d'un accident, d'une maladie. Ils devaient nous prendre pour des étrangers, peut-être même pour des envahisseurs. Et comment ça s'est terminé? Oh, très mal pour eux et plutôt bien pour l'organisme. Heureusement, un bon docteur avait compris la nature du mal. Ah, c'est donc ça! Ils détruisent leur propre plaquette. Eh bien, on va leur faire le coup du cheval de Troie. Il a injecté dans l'organisme les plaquettes porteuses d'un certain médicament et tous ceux qui les attaquaient sont tombés à leur tour. Et alors? Alors l'organisme a été guéri, nous avons pu reprendre nos activités. Alors les plaquettes, on fait un petit repos? Monsieur l'officier, l'ancêtre là vient de nous raconter une histoire terrible. Il ne faut pas s'émouvoir comme ça, mon petit, ça n'arrive que très rarement. Allons, allons, un bon mouvement, remettez-vous en route, vous voulez bien? Arrêtez les jeunes, vous outrepassez vos fonctions. Oh, ça va, vieille barbe, on peut bien s'amuser un peu, non? Mais enfin, vous êtes inconscient, vous allez boucher la voie. Mais après, vous passerez ailleurs. Mais réfléchissez, le secteur va dépérir. Nous ne pourrons plus l'alimenter. Oh. Allons, ne faites pas attention, jeunes gens, les vieux, il faut toujours que ça exagère. Arrêtez, vous allez vous stratifier et puis tomber. Mais vous ne vous rendez pas compte. Vous risquez de boucher un secteur vital de l'organisme. Emo, toi qui es si fort, sauve-moi de là, t'en prie. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que c'est que ce chahut? J'aimerais savoir ce que c'est. Alors, bon, il manquait plus que ça. Comme si on n'avait pas assez des envahisseurs pour nous causer des problèmes. Prostaglandine, tout de suite. Mission immédiate sur les parois extérieures et action d'urgence s'il y a lieu. Allez, allez! Immédiate pour la dissolution du bouchon.
Montre-moi que tu peux faire mieux. Non, c'est fini. Et de toute façon, je n'ai plus de flèches. Bon, ben, on va s'en faire d'autres. Pierrot, je ne veux pas te voir jouer avec ce couteau, c'est compris? Mais maman, c'est juste pour faire quelques flèches. On te le rapporte tout de suite, c'est promis. T'es d'accord? Ça suffit maintenant. Veux-tu me donner ça, s'il te plaît? Oh, juste la dernière, maman, je me dépêche. Aïe! Pierrot est un gros maladroit, Pierrot est un gros maladroit. Voilà, on va se payer une bonne infection, croyez-moi. Polynucléaire, le gros. Alerte, alerte, rupture d'un barrage dans voie de communication. Perte importante, invasion de coccyx staphylocoque. Envoyez troupes de combat et le génie pour réparer les dégâts. Urgent. Vous voyez, vous voilà adulte maintenant. Vous avez rapetissé jusqu'à notre taille. Alors, moi qui suis petit, j'ai toujours été adulte, alors. Il y aura de la place pour tout le monde. Du calme. Attention, attention, alerte générale. Invasion de coccyx type staphylocoque signalée en aval du secteur. Appel urgent à toutes les forces de police, à toutes les forces du génie. Rendez-vous sur place. Toutes les cellules spécialisées doivent fabriquer les anticorps d'urgence. Urgence, message terminé. Attention, appel à toutes les unités lymphocytes. Appel à toutes les unités lymphocytes. Ça va être à nous de jouer, les enfants, et cette fois, c'est sérieux. Les plaquettes, il n'y a qu'elles pour sauver la situation. Incroyable.
C'est être bête à ce point-là. Il s'agit d'héparine ou agents anticoagulants. Ils sont utiles parfois, mais sûrement pas ici. Quelle stupidité. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer si on ne laisse pas faire les plaquettes? Il y a pourtant une force spéciale pour lutter contre les haches. Mais qu'est-ce qu'on attend pour la faire intervenir? C'est fini ce jeu. Laissez-moi vous dégrafer, voyons. Mais enfin, c'est pas possible. Ils vont me rendre fou. Voulez-vous travailler? Non. Non. Le chef de la salle de duplication immédiatement. Invasion coccyte, type staphylocoque, vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Fabrication urgente d'anticorps, vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Urgente! Allez, et plus vite que ça! Fabrication urgente d'anticorps, vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Allez, au boulot! Voilà. Voilà de la fibrine. Un lasso idéal pour renforcer le barrage des plaquettes. Se méfier. Ils sont dangereux. Oh.
Allez, montre-moi ta main. Maman, pourquoi est-ce que mon doigt est devenu jaune comme ça? Tu peux me le dire? Mais c'est du pu. Ce sont les globules blancs, les policiers de ton sang qui ont détruit les vilains microbes. Viens, nous allons te soigner. Des plaquettes. Chaque jour, 400 milliards de plaquettes. Maintenant, vous savez pourquoi faire?